Nous sommes ici dans le village de Mbili. Le village se situe au niveau du centre du Sénégal. C'est le village où je suis né et grandi. Mais le premier souci, c'était de voir la priorité, c'est de construire un madrasa pour faire apprendre aux enfants le Coran. Alors, les parents qui n'ont pas les moyens de faire d'envoyer leurs enfants, vraiment, ils laissent leurs enfants sans aucune éducation islamique. C'est la raison pour laquelle je m'étais dit qu'il faut absolument construire un dara pour aider les parents de faire apprendre leurs enfants le Coran. Donc on est là, on a ouvert ce madrasa en 2014. On a plus de 60 élèves. Il y a 7 qui ont maîtrisé le Coran, une parfaite maîtrise. Nous allons entrer dans la madrasa pour voir les enfants et comment ils vivent. Inch'Allah ta'ala. Ici, c'est la voiture, l'unique voiture qui est ici. Je veux vous dire ici que ce véhicule il est immobilisé parce que il est en panne. On a besoin d'aide pour avoir une voiture pour transporter les élèves malades et les femmes accouchées et les petits besoins qu'on a. Parce qu'on est très loin des villages. Ici, on a un puits creusé jusqu'à 22 mètres. Mais on n'a pas les moyens de compléter ce puits-là. Il n'est pas fonctionnel. Donc on a besoin de 3000 euros par exemple pour le compléter. Le creusement et l'équipement aussi. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.